Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je le sais. Avec les confinements, les enfants, tout ça, c'était pas simple. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Là, comme vous pouvez le voir, je suis chez Maison du Monde. Vraiment de très belles choses, regardez. Bon, je vais faire un petit tour et je vous montre ce que j'ai trouvé. J'en profite aussi pour faire une petite dédicace à Kay qui se reconnaîtra, Bacassio et Marilyn. Alors, vous m'aviez demandé dans ma précédente vidéo de vous faire une petite vidéo en fait sur les canapés. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Alors, là vous avez un de mes préférés, c'est le modèle Olivia, tout en velours, en vert. Il est donc c'est canapé convertible, 4 places avec des accoudoirs, et puis ils ont mis les coussins aussi qui sont comme ça. Enfin bref, c'est assez sympa. J'aime beaucoup moi le revêtement, donc le velours. Je trouve que c'est sympa. Il faut vraiment faire attention au revêtement. Quand vous choisissez un canapé, il faut faire attention au revêtement, à la structure. Il faut que ça soit du bois bien solide. Principalement le hêtre, hein, moi j'aime beaucoup, ou le pain massif, c'est pas mal aussi. Alors pour celui-ci, on voit pas très bien la caméra, mais vraiment c'est une belle couleur. Hein. Le velours j'aime bien, pas très salissant, facile à nettoyer, et ça fait assez confortable, cosy quoi. Au niveau du prix, donc c'est le modèle Olivia, 999 €, 4 places, d'accord, donc il est convertible. Alors, au niveau des dimensions, il fait 87 par 241, pardon, et profondeur 153, donc il est assez grand. Velours... Ah, structure, c'est du pain massif. Voilà. Ils sont jolis, les pieds. Voilà, c'est solide, hein. Donc voilà ce que je peux vous dire. Et dimension du couchage, c'est 120 par 220, donc assez confortable. Pas mal pour recevoir des invités, par exemple. Voilà. Là ils l'ont mis. Ah mais il y a différentes couleurs. Regardez. Alors là vous avez du vert, vous avez du bleu, je me rapproche. Il y a du bleu, il y a du taupe, gris foncé et beige. Ah le bleu il a l'air pas mal. Hein. Toutes les couleurs en fait. Mais préférence pour le vert. Mais je dirais pour que ça passe partout, enfin pour que ça aille plutôt avec votre décoration, je prendrais le beige ou le gris. Et 999 € je pense que c'est assez raisonnable hein, pour les canapés. Voilà, les accoudoirs sont solides. Je me suis assise, c'est confortable. J'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Alors là, vous avez un canapé lit, tout en bleu. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Donc c'est le modèle Russell. 3 places, bleu foncé, voilà, je pense que c'est du tissu ça, ouais, tissu, 88 par 231, profondeur 87, au niveau de la structure c'est du pain massif, contreplaqué et panneau de particules, d'accord, ok, bon, j'essaye de voir s'il y a d'autres infos, il est à 699 €, et il y a d'autres modèles, enfin d'autres couleurs plutôt. Vous avez du bleu foncé, du gris et du gris clair. Gris foncé, gris clair. Préférence pour ce bleu là. Mais c'est pas mon modèle préféré. Je sais pas pourquoi, mais les pieds pas massifs. Ouais, c'est pas mon modèle préféré. Après vous en avez d'autres, hein, ils sont sympas. Vous avez celui-ci. Canapé droit, j'aime beaucoup les pieds. Ah, c'est le modèle Nour, j'aime beaucoup ce prénom. Donc il est à 799, c'est bien celui-là. Hein, ouais. Velours rouge, ouais, du beau velours. Bon, il est tout en haut, mais je sais pas si vous pouvez le voir. Il a l'air bien confortable. Vous avez du rouge, vous avez du bleu foncé, vous avez du noir, plutôt gris, hein, gris foncé. Et vous l'avez en, je pense, deux places, enfin trois places. Hein. Là, c'est ouais, trois places ce modèle-là. Le petit, c'est trois places. Et j'imagine qu'il y a plus grand modèle, 4 à 6 places. Hein.
Regardez les pieds, ils sont trop beaux, franchement. Ils sont très très beaux. Après, quant à l'assis, je peux pas vous dire parce que comme il est en haut, je peux pas le tester. Mais bon, couleur rouge comme ça, j'aime pas trop. C'est plutôt couleur rouille, hein, mais j'aime pas trop. Je pencherai plus vers du bleu ou gris. Après, vous avez un autre modèle, le modèle Iceberg, qui est pas mal pour si on a une petite pièce. À 379 €, pas cher du tout. Et regardez-moi cette couleur là. Trop belle. Bleu canard. Vous avez du jaune moutarde. Désolée s'il y a du bruit, il y a pas mal de monde aujourd'hui. Alors, donc je reprends le modèle Iceberg, style scandinave. 2-3 places en gris. Je pense qu'il n'est pas très confortable, ça se voit, regardez. Pas du tout épais. Oh. D'accord. Ouais, je pense que ça convient plus pour une pièce. Enfin, pour un appart d'étudiant, je sais pas, mais c'est pas top. Hein. Moi, je conseille pas. Il est joli, il est beau comme ça, mais pas confortable, je pense. Alors, de ce côté-là, vous avez un autre modèle. Donc, ça, c'est canapé droit. Et franchement, super confortable. On voit pas comme ça, mais super confortable. Il est bien rembourré. Les accoudoirs sont bien solides. Donc c'est du gris chiné. Je pense que c'est du 3 places, il me semble. 3 places. Alors c'est le modèle Aaron. Il est à 699 €. Différents coloris. Il y a du bleu foncé, du gris foncé, du taupe, je crois. Hein. Vous avez différents modèles, soit le 3 places, soit le 4 à 6 places, pas renseigné. Alors attendez, là il y a l'étiquette. Ouais, donc celui-là c'est 3 places à 699 €. Il fait 78 par 180, profondeur 93. Donc revêtement, je vous ai pas dit, mais c'est du tissu. Ah, c'est bien, les coussins sont déhoussables, d'accord. Pas mal pour pratique pour laver. La structure sont pain massif et contreplaqué, donc assez solide. Et les pieds en aluminium, coloris noir. Ah, je veux bien voir ça. Donc je vous montre déjà les coussins. Déhoussables. Ouais. C'est pas mal. Hein. Celui-là, franchement, gros coup de cœur pour celui-ci. Et voilà les pieds. Bon, il est petit, mais franchement super confortable. Alors là, j'ai retrouvé le modèle Nour en bleu. Donc, tout à l'heure, on l'a vu en couleur rouille. Donc bleu, même prix, hein. Velours bleu. J'aime bien cette couleur. Il est pas mal. Hein. Alors là, ils ont beaucoup de vert. Hein. Là, on a un autre modèle, canapé droit, il me semble. Je dirais 4 places, hein, parce que je le trouve assez grand. Il est en velours. Bon, effectivement, il y a de la saleté, mais bon, il y a vraiment beaucoup de monde, donc faut pas se fier. Alors, c'est le modèle Malik. Ah oui, capitonien, je ne vous l'ai pas dit. C'est sympa. Modèle Malik à 899 €. Ah non, c'est du 3 places. Pour moi, c'est vraiment. Il est grand. 83 par 220, profondeur 97. Donc c'est du velours. Et au niveau des pieds, c'est être massif. Donc assez solide. Je sais pas s'ils sont déhoussables, les poussins. Les accoudoirs. Et j'imagine qu'ils ont différentes couleurs. Je trouve assez beau celui-là. Et je trouve assez cher, mais bon. A priori, c'est solide, ce qu'on m'a dit, mais bon. Alors, je voulais vous montrer aussi ce canapé. Donc là, tout autre modèle, donc en suédine. Je suis pas fan. Vraiment, je suis pas fan. J'aime pas tout ce qui est suédine, cuir. Je sais, il y a pitonné. C'est le modèle Chesterfield à 649 €. 3 places. Il fait 76 par 202, profondeur 91. Et au niveau des pieds, je vois pas. Coussin déhoussable. Et les pieds en pain, d'accord. Oui,
Alors là, celui-là, je vous l'avais déjà montré, ce modèle, mais je vous le remonte parce que il est magnifique, vraiment. Velours. Bon, ils ont beaucoup de canapés en velours, hein, mais je trouve que c'est une belle matière. Donc, celui-ci, c'est le modèle Glover à 799. Canapé vintage 3-4 places. Velours bleu. Les pieds sont en acier inoxydable. Et il fait 78 par 225 et, 80, et profondeur 98 et il est à 799 €. Donc je vous montre les pieds. Voilà. Mais j'aime surtout la forme du canapé. Et franchement l'assise elle est super confortable. Je passe en voile et c'est une très belle couleur hein, celui-ci. Plus foncé que les autres. Donc voilà.